Voilà, on est avec Mariella, elle va nous faire un retour d'expérience sur les newsletters. Donc, elle va vous présenter des extensions à mettre en place dans WordPress, parce qu'il se trouve que c'est un WordCamp, donc on va parler un peu de WordPress quand même. Et comment rédiger du bon contenu. Et aussi, voilà, le but, c'est de répondre à ses clients, donc les solutions les plus adaptées pour ses clients. Donc on applaudit Mariella, s'il vous plaît. Bon ben bonjour. C'est tellement sympa d'être là après 2 ans d'attente. Je m'en réjouis. Alors ben voilà, je vais venir vous raconter une petite histoire de 15 minutes tout en continuant à surfer sur la vague du e-marketing, sur mon retour d'expérience avec des outils de newsletter adaptés à WordPress. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place des solutions faciles pour mes clients, sachant que je développe des sites internet depuis 1998, donc ça fait très très longtemps. WordPress, je suis passée par plusieurs CMS et j'ai fini par adopter WordPress pour les projets simples et courts dont il faut confier la gestion du contenu, voire la gestion tout entière au client. À cause de la courbe d'apprentissage et de la simplicité du système, mais aussi parce que dans la petite boîte que j'ai créée il y a déjà 10 ans, on privilégie les solutions libres et gratuites. Pourquoi? Parce qu'on travaille beaucoup avec des petites et moyennes entreprises et beaucoup avec du public associatif. Et voilà, les histoires de budget, elles sont très importantes là-dessus. Donc voilà, on a trouvé qu'il fallait chercher des solutions qui soient intégrées à WordPress pour ne pas devoir expliquer « Oui, en fait, la newsletter, on s'inscrit sur votre site, mais pour l'envoyer, il faut aller sur un autre site. Et puis, cet autre site, il n'est peut-être pas sur Suisse. Donc, du point de vue RGPD, ce n'est pas complètement clean. » Après, on a aussi la partie des configurations. L'envoi d'une newsletter peut être délicat. Pourquoi? Parce que si on configure mal un envoi depuis un serveur local ou depuis son hébergeur, on peut facilement se faire taguer comme spammer. Et puis, tout cet effort mis en place pour envoyer cette campagne de communication est jeté à la poubelle. Le contenu. Le contenu, c'est de la communication pure et dure. Il faut que ce soit simple, du point de vue code et design, pour que tous les clients mail puissent l'ouvrir, y compris ceux sur portable. Il faut qu'il soit lisible, donc on ne peut pas faire des newsletters kilométriques, mais on ne peut pas faire non plus des trucs de 3 mots, avec une image, et puis l'image, si on ne la cherche pas, parce qu'on n'a pas assez de connexion, eh bien on ne voit rien. Il faut du lien, et il faut aussi de l'accroche. Ah tiens, je vais ouvrir ça, je vais cliquer dessus, parce que c'est là que vous aurez vraiment un retour sur investissement. Le suivi, il faut bien savoir si ma newsletter, elle a marché ou elle n'a pas marché. Est-ce que mes clients, ils ont cliqué? Est-ce que ma promo a été vue? Est-ce que mon code promo que j'avais mis tout en bas de la newsletter, cliqué ici, a été utilisé combien de fois, par qui? Et puis les rebonds. Quand on a des listes de contacts, on a souvent un paquet d'adresses qu'on vous donne, donc votre client arrive avec un fichier de 1500 adresses. Si vous ne le vérifiez pas, il y en a une sur laquelle le point est une virgule, il y en a une sur laquelle il y a des accents parce qu'en fait il a mis le prénom, et puis finalement on se retrouve avec des mail delivery subsystem, donc des messages de rejet, de rebond, qui augmentent votre spam score et qui vous surchargent votre serveur. Donc, vous pouvez facilement vous faire bannir par votre hébergeur si vous utilisez votre serveur local pour envoyer les mails. Et encore plus, c'est encore pire si vous utilisez un script de PHP, donc une fonction PHP pour l'envoi de mails, et que vous n'utilisez pas, par exemple, une véritable boîte mail pour faire sortir ces messages. Donc, je vais expliquer les détails un peu plus bas. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons des sites web et des applications web. Ça peut être un CRM, ça peut être, je sais pas, un carnet d'adresses ou juste tout simplement une solution pour envoyer les newsletters ou un agenda. On privilégie le libre et donc WordPress, c'est notre joker. Il est chouette, il est facile, ça marche out of the box et la plupart des hébergeurs ont maintenant ces installations en 2 clics qui sont super chouettes. Le but, c'est que nos clients puissent à eux-mêmes, tout seuls, envoyer leur newsletter comme bon lui semble, comme bon leur semble, les programmer, les rédiger, les changer, venir changer la petite virgule, venir changer la petite photo qui n'était pas correcte. Et donc, il faut que l'interface soit intuitive. On a privilégié les solutions qui sont dans le dashboard de WordPress pour que le processus puisse être simplifié un maximum. Un cas d'école typique, une association d'aînés, de personnes qui ont plus de 70 ans. Il y a entre eux celui qui gère le site internet, qui est un WordPress qu'on a repris, qui est très averti, c'est un ancien informaticien, mais évidemment, au bout d'un moment, le pauvre monsieur, il y a tellement de choses, il se perd. Donc, on a fini par mettre en place des solutions très simples et très automatisées, dont je vais vous raconter finalement ce qu'on a fait avec ce vieux monsieur à la fin. Alors, les points importants. Qu'est-ce qu'on a utilisé? Sur quoi on s'est arrêté vraiment pour choisir nos plugins? Donc d'abord, l'édition. Il faut que l'interface soit simplifiée. Mais si on a un de ces éditeurs intégrés, créateurs de contenu super cool, qui n'est pas celui de WordPress, qui n'est pas Gutenberg ou notre ancien éditeur, ça commence à injecter du code. Et quand ça commence à injecter du code, les anti-spam, ils aiment bien bloquer nos messages quand il y a des codes. Beaucoup d'étiquettes et beaucoup de codes HTML avec beaucoup trop de feuilles de style dedans qui sont bizarres. Donc ça, ils n'aiment pas. Donc il faut que le code reste clean et simple. Le serveur de renvoi externe, par exemple, Mailchimp, c'est eux qui envoient depuis leur serveur aux États-Unis. Sendinblue, c'est eux qui envoient depuis leur serveur. C'est ça leur offre. C'est du software as a service. Il faut s'inscrire chez eux, créer le compte chez eux. Votre carnet d'adresse, peut-être que vous avez un cabinet médical et ce sont des patients, donc du point de vue intégrité des données, c'est pas correct d'avoir nos données aux États-Unis, même si le service est super cool. Donc en local, on a des meilleurs résultats aussi, parce que pour des questions d'IP et des questions d'envoi de serveurs, si on privilégie un hébergeur qui est sur le continent, ça va être beaucoup plus simple. Et les solutions qui ont les services d'envoi, elles ont normalement une offre avec une certaine quantité de contacts qui est vite dépassée. Après l'importation, on se retrouve avec des clients qui nous donnent tout leur carnet Outlook. Donc, il faut les laguer et puis il faut que ce soit facile. Donc, il y en a qui ont un simple champ de texte ou une importation d'un Excel, d'un CSV. Et ça, c'est super apprécié parce qu'on peut tout de suite créer des listes et on peut aussi leur expliquer comment créer leur liste pour une promo, pour un groupe de clients, etc. Voilà. Donc, sur les plugins retenus, on en a utilisé beaucoup. Et donc, Mailchimp, je vais commencer donc de gauche à droite, celui que j'aime moins à celui que j'aime mieux, Donc, Mailchimp, il est chouette parce que tout le monde le connaît. L'interface est assez intuitive, l'offre de base est sympa. Donc, pour une petite association qui a 300 membres, c'est assez chouette. Il est facile. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'était pas en français. Donc, maintenant, il est en français, mais on voit qu'il y a encore des fonctionnalités et des trucs qui sont en anglais. Donc, les gens, ils se perdent. Il n'est pas RGPD parce que même si on a la petite coche et tutti quanti, ben, les données ne sont pas chez nous. La version payante est assez chère. L'abonnement mensuel n'est pas abordable pour les associations, pour les voisins, les quartiers, les trucs comme ça qui sont pleins de bénévoles. C'est vraiment un budget. Et c'est un outil auquel ils s'accrochent rapidement. Et puis Mailchimp, oui, il y a plein de plugins. Il y en a beaucoup qui sont gratuits. Mais finalement, c'est un software as a service. Vous n'êtes pas dans votre dashboard. Et vous n'êtes pas dans votre serveur. Maintenant, on passe aux trois autres qui sont des solutions qui sont dans le dashboard. Il y a MailPoet, c'est un des premiers plugins newsletter de WordPress. Il est utilisable dans sa version gratuite, c'est-à-dire qu'on peut faire assez de choses, mais voilà, la gestion des abonnés est facile, on peut les importer facilement, mais les outils dont dispose MailPoet, ils sont pas très divers. Et puis après, si on veut pouvoir voir les statistiques, si notre newsletter a marché, etc., il faut acheter la licence. Donc, j'avais beaucoup de gens qui se décourageaient au bout d'un moment là-dessus. puisque c'était aussi un peu difficile de mettre en place, d'apprendre. Ils ont un éditeur qui n'est pas forcément l'éditeur de WordPress. Donc, si on avait beaucoup ramé là-dessus, les gens ils étaient découragés. Il y a The Newsletter Plugin, c'est un nouveau, plugin relativement nouveau. Il est sympa. Les configurations sont simples. On peut mettre les configurations SMTP, mais par exemple, si on veut mettre les configurations DKIM et DMARC, ce sont des configurations d'authentification pour justement éviter que vos mails soient tagués comme spam. Elles sont payantes. Donc là, on peut envoyer une newsletter, on peut l'envoyer par PHP mailer, mais voilà, votre spam score, vous pouvez arriver facilement à un 7,5, 8 sur 10. Donc c'est mieux d'aller au-delà de 9 sur 10. Et pas de segmentation, c'est compliqué. On a une liste, on a un formulaire dans un bas de page dans lequel on inscrit des gens qui sont intéressés à notre association. On leur met une case pour les distinguer par, je sais pas, par centre d'intérêt ou par âge. Par exemple, pour une association d'activités pour les enfants. Eh ben, sur The Newsletter Plugin, ça va être compliqué de segmenter. Ça va être compliqué d'envoyer une newsletter pour tous les parents des enfants de moins de 6 ans. Parce que tout le monde s'inscrit à la même liste et puis on n'a pas des sous-options de segmentation. Et c'est là où je vais parler de mon préféré. Donc, je travaille avec WordPress, mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec Joomla, avec PrestaShop. Acymailing, c'est un plugin qui vient de Joomla, qui est passé sur WordPress il y a quelques années. Ils ont fait un gros effort, mais ce que j'aime bien là, c'est qu'on a beaucoup de contrôles, on a beaucoup de paramétrages fins qu'on peut faire une seule fois, et puis laisser le client, avec un mode d'emploi, se débrouiller pour envoyer ses newsletters. L'offre de base, elle est sympa, elle vous permet d'avoir autant de contacts que vous voulez pour envoyer la newsletter. Il y a des options de segmentation, c'est-à-dire que sur une liste de newsletters, je peux cibler ceux qui se sont inscrits les 3 derniers mois, par exemple. Je peux faire des automatismes, des mails de bienvenue à la newsletter, ou par exemple, si je vois que quelqu'un n'a pas lu ses dernières newsletters, lui envoyer qu'est-ce qui se passe, que ça ne vous intéresse plus, vous voulez vous désinscrire, etc. C'est ça qui est sympa. Après, bon, ce qu'on n'aime pas des emailing, mais ça ne tient qu'à nous, c'est de notre côté, c'est que la configuration est complexe. Le user experience pour le configurer et pour l'utiliser, il y a encore du progrès, mais il s'améliore très rapidement. Les versions sortent les unes après les autres et il y a plein de choses qui sont corrigées. Et puis l'éditeur, c'est dommage que ce soit pas l'éditeur natif de WordPress. Il bug beaucoup sur certains navigateurs. Il y a des gens qui aiment toujours rester sur Internet Explorer, donc là c'est la catastrophe. On est obligé d'expliquer, voilà, il vaut mieux passer sur Chrome ou sur un navigateur un peu plus récent. Mais voilà, ça laisse un peu à désirer, mais c'est vrai que c'est celui qu'on utilise le plus pour avoir plus de liberté. Ça va nous prendre plus de temps à configurer, à mettre en place, mais c'est vrai que le retour d'expérience est juste super cool. Donc voilà, quelques petits chiffres sur les newsletters. Donc, le contenu, il faut qu'il soit toujours accrocheur, qu'il donne envie de venir cliquer. Si vous pouvez toujours placer des offres dessus, c'est toujours un plus. Et l'idée, c'est pas de diffuser vos infos ou tous vos articles tout entiers dans votre newsletter énorme que de toute façon, on est dans le train mais on va pas pouvoir lire. C'est de cliquer et d'aller sur votre site et que la personne s'engage, qu'elle s'inscrive à votre atelier, qu'elle achète votre produit. Donc, on a un temps qui est très très réduit pour la visualisation, pour le temps de lecture. Donc si on arrive à accrocher plus de 10 secondes, c'est gagné. Donc c'est toujours plus les ordinateurs qui ouvrent, mais il ne faut pas oublier la responsivité. L'affichage sur mobile, c'est pour ça que le code il doit rester simple, les images doivent être petites, les images doivent s'appeler offre du mois d'août.jpg et pas DSC 445, ça c'est du CE, du SEO aussi. Et puis il faut qu'elle soit adaptée à toutes les tailles d'écran. Voilà. Après, donc, on voit qu'il y a, par rapport aux messageries, il faut toujours faire des tests. Comment mon collègue le voit sur son iPhone, comment on le voit sur une tablette, comment on le voit sur les différents clients mail, voire les webmails. Si on arrive, quand on fait une campagne, à avoir un taux d'ouverture De plus, ça, ce sont des stats un peu globales. Mais dès que ça dépasse les 15%, ah, moi, je suis contente. Ça a marché. La newsletter a été ouverte. Pourquoi? Parce que c'est vrai que c'est comme la publicité à la télé. Il faut atteindre le plus grand nombre de personnes possible pour avoir des taux d'ouverture et de clics intéressants. Voilà, donc un taux de clic moyen, donc il ne suffit pas qu'on l'ouvre, il faut qu'on clique dessus. Donc pas tous les plugins de newsletter enregistrent les clics. Les derniers plugins desquels j'ai parlé le font et vous pouvez aller voir de votre dashboard au fur et à mesure que les clics sont faits, qui a cliqué où, sur quel lien, par exemple, si vous avez plusieurs liens. Et puis voilà, donc encore et encore, toujours, la plupart des emails sont ouverts sur mobile. Les gens, ils sont dans le tram, ils sont dans le bus. Il faut que ce soit consommable rapidement, que les polices soient grandes, que les images parlent et que le bouton « Acheter mon t-shirt WordCamp » soit visible, par exemple. Donc voilà, j'arrive rapidement au bout. J'ai l'impression que j'ai survolé le sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, j'ai juste une question. Tu dis que la configuration est complexe. Oui. Est-ce que tu pourrais rentrer un tout petit peu là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que c'est complexe au point qu'il faut vraiment des gens qui connaissent et qui sont des professionnels pour le faire? Ou bien, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui boutique un petit peu son WordPress peut le faire? Voilà. Alors, si on est un peu geek et on aime bien aller regarder, lire, comprendre comment fonctionnent les choses, c'est tout à fait faisable. Moi, je viens des sciences sociales, je ne suis pas universitaire en informatique et c'est pourtant devenu mon métier. Donc, si on met un petit peu de mélange, c'est tout à fait compréhensible. Ce qui est important à retenir, c'est que si on est sur une solution de newsletter qui fonctionne sur votre hébergement et si on peut utiliser un serveur SMTP, donc un serveur mail pour les envoyer, il faut l'utiliser. Il faut que ce soit une boîte qui est dédiée que à faire ses envois. Il faut une boîte aussi, ça dépend de l'hébergeur. Par exemple, chez Infomaniac, ils ont une boîte, c'est la boîte Webmaster qui récolte par défaut les rebonds. Donc, il faut que votre système puisse se connecter aussi à la boîte et voir les rebonds pour voir les adresses qui sont valides, qui vous ont rejeté, pourquoi, et que votre liste puisse à son tour être mise à jour. Il faut pouvoir mettre en place les signatures des DKIM. Pourquoi? Parce que ce sont des protocoles ou des validations, des systèmes de validation qui authentifient le fait que si vous envoyez une newsletter depuis un système de newsletter en passant par une adresse mail, que c'est bien un domaine qui appartient à l'organisation qui envoie vraiment ce message. Autrement, votre spam score, il augmente et il y a plein de filtres qui vont vous bloquer. Donc voilà, il y a le DKIM, le DMARC. Ce sont deux paramètres. Sur la plupart des hébergeurs, dont Infomaniac, Bluehost et Alposting, il y a des modes d'emploi qui expliquent bien comment configurer cela. Sinon, en 15 minutes, c'est réglé avec les équipes de support. J'ai des collaborateurs qui ne connaissaient rien et qui l'ont fait tranquille. Voilà. Bonjour. Ma question, c'est... Oui, c'est bon. Si j'ai déjà été considéré comme spammer, est-ce qu'il y a moyen de récupérer ou bien il faut repartir Alors, oui, mais c'est du boulot. Alors, ce sont des sites qui vous taguent comme spammer. Donc, il faut aller dans chacun de ces sites et venir vous désinscrire pour qu'ils recrawlent vos newsletters et qu'ils vous enlèvent des blacklists. Donc, il faut faire les demandes. Il y en a beaucoup des filtres anti-spam. Donc, vous voyez dans les stats de lecture qui sont les filtres anti-spam qui vous ont bloqué. Vous allez dessus et ils ont souvent un formulaire qu'on remplit. Et on peut leur donner les coordonnées du domaine ou de l'adresse mail qui envoie la newsletter pour que justement ils reconsidèrent. Mais entre-temps, il ne faut pas laisser la configuration telle qu'elle. Si vous aviez un envoi par PHP, utilisez un SMTP. Si vous n'avez pas les signatures des KIM, assurez-vous que tout ça soit mis en place. Quand ils vont revérifier, ils vont venir revérifier si vous êtes spammer ou pas. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a un avantage d'utiliser un service comme Amazon SES ou Mailgun ou des choses comme ça au lieu d'un SMTP local? Oui, il y a un avantage dans le sens où c'est plus facile. Ce sont des serveurs qui sont dédiés aux envois de newsletter, donc il y a moins de chances de vous faire taguer comme spam. Mais voilà, du point de vue intégrité des données, pour nous, ça ne va pas trop dans notre charte. Nous, on préfère déjà avoir quelque chose qui est simple pour le client, que ce soit sur la même interface, donc sur la dashboard de préférence, quitte à faire un dashboard customisé, rien que pour eux. Et le fait aussi que bon, ce sont des software as a service, ça part vite dans des abonnements qui peuvent devenir assez chers. Mais voilà, c'est là où il faut peser le côté confort et le côté bénéfice. Si vous êtes tout simplement une association dans laquelle les données que vous avez sur vos abonnés ne sont pas vraiment très précieuses, vous n'avez pas des coordonnées de santé ou des coordonnées personnelles importantes, pourquoi pas? On peut un peu... pour autant d'avoir la petite coche, c'est parce que c'est ce qu'on va venir vérifier, le RGPD, utiliser ce genre de système. Ce que je conseille, c'est dans l'impressum du site de dire, voilà, notre outil newsletter, on utilise Sendinblue, on utilise Mailchimp, on met un lien et puis l'utilisateur qui veut aller plus loin, il va voir, voilà, ils sont clean, ils sont cash, ils nous disent ce qu'ils font, Mailchimp, c'est ça, c'est aux États-Unis, donc voilà. Super, alors désolé, on est en retard de 10 minutes, donc il faut qu'on enchaîne avec le prochain speaker, enfin la prochaine. On applaudit, puis on va passer au prochain talk. Merci.